une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous tourner une vidéo un peu fun. Donc du coup on va faire une battle frère contre sœur. Petit point sur la génétique des croisements des chevaux, il existe 3 cas de figure de frères et sœurs. Le premier c'est quand ils partagent le même père, donc dans ce cas là on dit simplement qu'ils partagent le même père. Le deuxième c'est quand ils partagent la même mère, dans ce cas là on dit qu'ils sont frères et sœurs utérins ou utérines. Et le troisième cas de figure c'est que ils ont le même père et la même mère. Donc là ce sont des propres frères et sœurs et c'est le cas de Désirès et Édition. Comme chez nous, dans les propres frères et sœurs, il y a des ressemblances mais il y a aussi des différences. Première caractéristique de ressemblance, c'est qu'ils sont tous les deux palomino, mais par contre c'est pas la même pigmentation de couleur dans les deux robes. Parce que là, Édition, on voit que l'été, là il a sa robe d'été, on a un palomino vraiment très doré et l'hiver il blanchit un petit peu, il devient un peu crème on va dire. Et quand on passe sur Désirès, en fait, leur maman est Isabelle et on voit par exemple la petite pigmentation d'Isabelle là qui reviennent. Elle a un peu de noir, elle a un peu de noir dans l'écrin également. Si on regarde, donc du coup elle a plutôt l'été une pigmentation plutôt noire foncée et l'hiver par contre elle est très très claire, elle est presque grise. Ils ont tous les deux une superbe nature de crin, donc une nature de crin qui est très épaisse et en plus la crinière vont tous les deux du même côté. Au niveau de la taille, Édition est un petit peu plus grand que Désirès et il aussi un petit peu plus osseux. Même si Désirès c'est une version un peu plus féminine, ils ont tous les deux la rondeur ici sur le dos, une belle orientation et une jolie croupe. Autre petit point qu'ils partagent, c'est qu'ils sont tous les deux très gourmands, ce qui veut dire que il leur faut pas longtemps pour grossir. Au niveau des marquages sur Édition, on a donc une grande lisse ici qui descend jusqu'en bas et qui du coup a un petit bout du nez rose. Sur Désirès, on trouve également le petit bout du nez rose ici. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est un peu en forme de cœur, c'est trop mignon. Et si on cherche bien, faut bien le savoir, on a également une toute petite pelote ici là, de blanc. Désirès, elle est comme moi, elle a des chaussettes dépareillées, elle a qu'une seule baldane à l'arrière. Et Édition, lui, contrairement à Désirès, il a vraiment des chaussettes vraiment pareilles, vraiment à la perfection, puisqu'en fait, c'est presque toutes les deux les mêmes. Donc dernière petite précision, Désirès a 7 ans et Édition a 16 ans. Donc ils ont un an d'écart et Désirès c'est la grande sœur. Du coup on va commencer les battles. J'ai préparé les battles en catégorie. Donc du coup on va savoir qui est le plus gourmand, qui est le plus courageux, qui est le plus maladroit et qui est le plus rapide. Et il y a aussi quelques petites épreuves en plus pour les départager encore. Je vous avais dit qu'ils avaient un bon coup de fourchette. Donc du coup on va commencer par qui est le plus gourmand. Et pour la première épreuve dans cette catégorie, j'ai donc fait des petits fils avec des carottes et des pommes, donc ils sont exactement égales, hein, je vais pas tricher. Et vous allez en avoir un et on va voir qui c'est qui le mange le plus rapidement. Ça y est, ils sont en place, je les tiens, on va essayer de les faire partir exactement au même moment. Donc voilà le gagnant, donc c'est Édition, je m'en doutais un peu, il est un peu, quand il voit un truc il y va plein dedans et ça dure pas très longtemps. Donc là du coup on a un point pour Édition et 0 pour Désirès, sachant qu'il y a 3 points à départager pour la catégorie gourmandise, donc du coup il reste encore 2 points à faire. Deuxième petit battle de la gourmandise, ça va être qui vient le premier quand je secoue les rations. Et une fois que j'aurai mis les rations, ce sera à qui mangera le plus vite. Bon donc là comme vous pouvez le voir c'est Édition qui gagne la course, hein, un petit peu de loin mais ça je m'en doutais parce qu'Édition quand on met sa ration le soir il gagne en 2 secondes, enfin il mange tout en 2 secondes quoi. Et Désirès elle, par contre elle a une petite technique mais on l'a vu, c'est un peu triché mais elle a pris sa nourriture, elle l'a renversée et elle a mis ses gamelles par dessus. Mais il n'y a pas le droit à ça donc de toute façon je pense que ça va être Édition qui va gagner.
Là, vous avez un parfait exemple de la tricherie de Désirless. Bon, Edition a gagné celle-là, même si à la fin, il allait terminer la gamelle de Désirless. Là, du coup, on est à 3 points pour Edition et seulement 0 point pour Désirless. Mais je sais pas si être gourmand, c'est vraiment une bonne qualité, donc voilà. Première épreuve pour déterminer l'épreuve de qui est le plus courageux. Donc, on va commencer par l'épreuve du cochon. Donc voilà, Rose, elle a son petit enclos dans le jardin qui est là-bas. Et les chevaux en ont très très peur en général. Donc du coup, on va voir lequel de Edition et Désirless s'approche le plus. Donc du coup, on va commencer par Désirless. Donc là, on remarque que quand Désirless elle s'approche du cochon, quand le cochon fait un petit peu des bruits, elle sursaute. Donc, ils ont un petit peu peur des petits... du cochon. Là, je pense que je suis au max. Donc là, on a mis un petit marqueur et je vais revenir une fois pour voir s'il peut faire mieux. Du coup, deuxième tentative pour Désirless. Bon, donc là, comme vous pouvez le voir, Désirless qui a un petit peu peur quand même de Rose, c'est quand même bien amélioré, c'est quand même beaucoup plus rapproché, donc ça c'est top. Donc voilà le marqueur de Désirless, donc on a fait un peu mieux que la première fois. Donc le marqueur de Désirless est resté en place là-bas, et on va passer à la team Bleu Marine avec Edition. Bon, comme vous pouvez le voir, Edition, il a pas du tout peur du cochon. C'est limite, il a pas lui demandé s'il a de la nourriture. Bon, donc ils ont tous les deux été hyper courageux, mais Edition a été plus près. Je reste sur Edition et on va passer à l'épreuve de l'eau. Edition, il aime pas vraiment l'eau, même quand on part en balade, il veut pas rentrer dans les flaques d'eau ni rien, c'est un peu une poule mouillée, c'est le cas de le dire. Donc du coup, ça fait que c'est vraiment très compliqué de le faire rentrer dans l'eau. Mais au final, on a quand même réussi à lui faire rentrer deux antérieurs. Mais comme vous pouvez le voir, contrairement à Edition, Désirless, elle y va franchement. Elle a pas vraiment de problème avec l'eau, bon elle est un petit peu craintive, mais elle rentre direct, donc ça fait un point pour Désirless. Pour qu'on reste quand même sur une bonne expérience de l'eau avec Edition, ma maman lui a fait rentrer avec ses bottes dans l'eau pour qu'il le fasse en sérénité quoi. Lamentablement perdu, donc là je suis avec la gagnante de l'équipe Désirless et maintenant on va passer à la troisième étape du courage, donc c'est avec le parapluie. Donc là elle va regarder mon papy ouvrir le parapluie et après il va falloir qu'on passe à côté. Bon ben, Désirless, pas de problème. On se retrouve maintenant avec Edition pour faire la même chose. Bon ben, mes chevaux n'ont pas peur des parapluies. Donc du coup, après l'épreuve du courage, les deux poneys sont à ex aequo. Donc du coup, là, pour le départager, je vais faire une petite épreuve de la patience. Donc je vais laisser, je vais m'éloigner et le premier qui bougera, enfin qui se déplacera, il aura perdu.
Et là, on a malheureusement le mouvement de Desiree's. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont restés très sages et sans bouger pendant quand même un petit bout de temps. Là du coup, on va passer à la catégorie qui est le plus adroit. Donc du coup, pour cette catégorie, on va commencer par l'épreuve des barres au sol. Donc là, on a un petit dispositif de barres au sol au pas et un petit dispositif de barres au sol au galop. Et celui qui fait le plus de cling cling en les touchant, il a perdu. On va commencer avec Edition. Une petite touchette pour Édition sur le passage au pas. Et zéro touchette pour le passage au galop. Donc pour Édition, on a une petite touchette au pas. Déjà, t'as la pression là, faut que tu fasses zéro touchette. Donc ça fait une touchette pour Desireless. Et zéro touchette au galop pour Desireless. Donc ils sont ex-aequo, ils ont touché la même barre. Du coup, pour les départager, on est obligé de rajouter un petit dispositif au trou. Du coup, comme je suis sur Desireless, on va commencer par elle. Et zéro touchette au trop pour Désirée. C'est à Édition. Moi je crois qu'on peut rien faire, ils ont décidé d'être ex-aequo, donc l'épreuve suivante. La deuxième épreuve, donc là on a un petit dispositif de... c'est un petit obstacle de plomb en fait. En fait, ça va être celui qui dégomme un plot, il a perdu. Donc là, il a un peu décalé, mais ça compte comme dégommé. Du coup, on va faire en trois passages pour que ce soit un peu plus fun. Donc c'est parti pour le deuxième passage. Et deux plots en un coup pour Édition. Donc là c'est super parce qu'il a fait un super dernier passage. Cela dit, il a quand même dégommé 3 plots dans les deux derniers passages. Donc c'est parti pour la team rose. Bon, là on le voit bien, déjà c'est dégommé un plot. Desireless a quand même gagné puisqu'elle n'a dégommé que 2 et Édition n'a dégommé 3. Dernière épreuve, donc c'est l'épreuve de la frippe. Évidemment, elle est très légère et le premier qui l'a fait tomber, il n'y a pas de point. Donc là, c'est parti, on commence par Desireless. Désolée, c'est prof de la frite pour elle. Là, c'est assez gros. Donc voilà, au niveau de la hauteur de la frite, on termine sur une hauteur de 1m15, ce qui est déjà super bien pour juste un petit obstacle avec une frite et un cube et tout petit comme ça. Ils ont tous les deux été hyper courageux. Ils ont pas fait tomber la frite. Donc du coup, ils sont encore ex-aequo sur ce coup-là. Go! Pop.
Donc du coup, pour ce coup-là, Edition gagne un point, puisqu'il a été plus rapide que Desiris. Le gagnant de la grande battle, c'est donc Edition. Ça s'est surtout joué dans le jeu de la gourmandise, parce que il a gagné les 3 points. Mais je suis pas sûre que la gourmandise, ce soit vraiment une qualité. Bon, maman, cette battle est terminée. On est tous d'accord que ce sont deux super poneys. Alors, merci beaucoup, Cédric Renou, l'élevage de la Villette, d'avoir pu mettre en œuvre ce croisement entre Goélette Télinière et Cœur d'Ouache. Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo en voudrait des comme ça. Donc n'arrête pas d'élever. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient mettre leur jument à la saillie à Cordouache, il est disponible cette année. Et puis ben, moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Et je vous fais tous de gros, gros bisous. Got to